Chénopode blanc, qu'on appelle, enfin qu'on écrit le chénopode, mais qu'on prononce le chénopode. Donc plante comestible, les jeunes feuilles, vous pouvez les manger direct, avec d'autres salades sauvages, vous faites un petit mélange. Les tiges aussi, sinon les plus vieilles feuilles, vous les faites comme les épinards, à la poêle, en gratin, vous les faites cuire. Les graines, vous pouvez aussi les faire cuire comme le quinoa, parce qu'en fait c'est la même famille que le quinoa, le chénopode. Donc voilà. Donc là je suis pas loin d'un chemin, donc je vais éviter de la cueillir, comme d'habitude. Mais sinon, très très bon, plante comestible. Donc on l'appelle chénopode blanc. On voit qu'il y a une petite araignée là, hop là, parce que bon, là, quand elles sont jeunes comme ça se voit pas très bien, mais plus elles vont vieillir, plus ça va devenir un peu blanc en dessous. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le chénopode blanc. C'est comme le tilleul argenté. C'est à peu près la même couleur. En dessous de la feuille, c'est très blanc en fait. Enfin, blanc. Très clair. Alors je pense que c'est dû à des poils. Il doit y avoir des poils blancs en dessous. On va essayer de trouver un sujet un peu plus vieux. Et on va vérifier ça ensemble. Les baies du micocoulier. Donc nous on a de la chance, c'est qu'on a beaucoup de micocouliers dans la région. C'est un arbre qui pousse bien un peu partout, mais qui supporte pas le froid. Donc climat méditerranéen, c'est parfait pour lui. Et là en ce moment il fait ses baies, donc ses baies, vous pouvez voir, c'est des baies Bordeaux, charnues. Donc il n'y a pas beaucoup à manger, mais c'est très bon, ça a un petit goût de pomme, de poire caramélisée, avec un assez gros noyau. Et en fait, même le noyau, vous pouvez le bouffer, c'est riche en lipides, en acides gras. Donc vous pouvez les cueillir, les mixer. Comme ça, vous pouvez les ajouter à une compote ou même faire de l'alcool si vous voulez. Donc, super. Très très bon. Micocouliers. En ce moment, vous pouvez voir beaucoup d'oiseaux. Si j'arrive à en filmer un, je vous montrerai qui se gave de ça, qui se régale. Magnifique. C'est aussi la saison des glands. Bien vert. Là, on est sur un chêne vert. Mais dans surtout les sortes de chênes, c'est la saison. Donc riche en tanins. Pas en abuser, mais le tanin c'est aussi bon pour quelques maux de gorge ou même pour les diarrhées. Donc vous pouvez en manger comme ça de temps en temps. Alors soit vous les torréfiez ou vous les faites bouillir dans plusieurs eaux pour enlever le tanin. Et voilà, c'est vraiment un comestible de survie, hein. C'est pas quelque chose que vous allez kiffer, mais bon, ça sert toujours à savoir. Donc là on est devant un lamier pourpre, donc on le reconnaît par ses feuilles qui sont opposées, alternées. C'est à la famille de l'ortie. La tige est carrée. Pas si on va la voir. Donc la tige est carrée. Et un très bon comestible, hein. Le lamier, tout le monde le connaît. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez le bouffer direct. Donc là, je suis toujours proche des chemins, donc je vais éviter. Mais si vous le cueillez, que vous le laissez dans une eau vinaigrée pendant quelques heures, vous pouvez le manger, hein. Très très bon, famille de l'ortie. D'ailleurs, le lamier blanc qu'on appelle le faux ortie, ce qui ressemble vraiment, si vous regardez, ressemble beaucoup à l'ortie en fait, sans les piquants. Pour finir avec les plantes comestibles, les jeunes pousses de salsepareil, une de mes préférées,
petit goût d'artichaut ou je sais pas quel fruit, quel légume, pardon, mais donc cueillez que les feuilles. Je vais faire une mise au point, voilà, un peu rougeâtre, vous voyez, pas rougeâtre mais un peu rouge quoi, bien brillante. Sinon, quand c'est un peu plus vieux, c'est pas comestible. Mais évitez. Et les baies aussi ne sont pas comestibles. C'est des baies rouges. Voilà. Ah, il y en a là des baies. Je vais vous montrer. Voilà les baies de salsepareil. Donc oui, c'est la salsepareil. Je sais pas si je vous l'ai dit. Donc là, on voit il y a plein de nouvelles feuilles. Très bonne, toujours pareil pour rajouter dans une salade, c'est les meilleurs. Mon premier bolet de la saison, donc on dirait un bolet subtomenteux. Bon, je sais que c'est un bolet parce que il n'y a pas de lamelles en dessous, c'est des sortes de trous là. Ça commence bien. Voilà une petite récolte. Ça devrait suffire pour aujourd'hui. Encore une autre sorte de bolet. Je connaissais pas ce coin, mais il est café, hein. Hello! On est reparti, pas pour une aventure, mais pour une petite présentation d'un tarp Amazonas. Donc c'est le mosquito tarp. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc voilà la bête Amazonas. Donc il est un peu lourd, il fait 1,8 kg. C'est pas rien. Il a une diagonale de 4 mètres. Donc ça ferait du 4 mètres sur 3 mètres, je pense. Je vous confirmerai ça. Le rangement est assez compact. Comme un peu mon sac de couchage de chez Snug Pack, le Slipper Extreme. Donc il est bien compressé. Sans compression, il fait 30 cm sur 18 cm à peu près. En compression, là, on est à 25 cm. 20 cm. Donc on va aller le monter de suite. Donc en fait, je me suis trompé. Il faut mettre la faîtière dans le trou là. Comme ça, on peut fermer complètement. Parce que là, si vous voyez, hop là, je peux plus fermer là. Donc on va refaire ça vite fait. Donc d'abord, vous mettez un côté de la faîtière. Vous passez dans les trous du tarp. Et ensuite, vous mettez l'autre côté de la faîtière. Comme ça, vous pouvez fermer complètement votre moustiquaire. Parce que là, je peux pas la fermer si vous voyez. Donc ça, il l'avait pas dit sur le site internet. Là, on peut voir que la faîtière, elle passe dans le trou.
Et on peut fermer complètement. Et voilà. Donc là, je suis complètement entouré de moustiquaires. On n'aurait même pas besoin de mettre de hamac en fait. Ils disent hamac, mais il y a largement la place pour se mettre au sol. Donc une assez bonne finition. Les rangements de la moustiquaire, on pourrait même s'en servir pour retendre un peu plus s'il le fallait. Donc voilà, avec le hamac. Hop là. Donc on ferme. Ah bah c'est fermé. Et voilà. On est à l'abri. On est à 190 balles, je crois. Entre 150 et 200 balles de tarp. Mais par rapport à les moustiquaires et tout, je pense que c'est vraiment light. 1 kilo 8. Mais si on a les moyens de mettre 200 balles dans un tarp, ben pourquoi pas. Suivant la zone de bivouac, par rapport aux insectes, aux moustiques, ça pourrait le faire. Voilà. Allez, je vais me caler un peu maintenant que j'ai monté le tarp. Et le hamac surtout. Et je vous dis à plus tard. Pour être super pour de la reconnaissance animalière, pour de l'observation, parce que de l'intérieur on a une assez bonne visibilité et de l'extérieur on a une sorte de voile noir qui, par rapport à la lumière de l'extérieur, qui fait qu'on est quand même assez discret. Donc voilà, c'est content. Amazonas tarp mosquito ultralight. Donc Amazonas c'est une marque qui fait beaucoup d'ultralight. Donc ripstop 210T, 3000 mm de pluie. Là je l'ai mis un peu bas, mais sinon je pourrais même se tenir debout si je mettrais un peu plus haut. Je vais essayer de m'asseoir sans que le téléphone bouge. Hop là, là vous êtes, je suis penché là. Là, juste pour vous montrer que franchement c'est super super large, tranquille. Saint Bernardus Prieur 8, à la vôtre messire. Santé. Merci d'avoir visionné ces petites vidéos. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.